Les doigts du virtuose Alexei Korobeynikov dansent sur les touches du piano. Sur les airs d'une sonate de Rachmaninov, le pianiste russe hypnotise son audience. Les jeunes générations, elles, manquent à l'appel. Les enfants viennent avec leurs parents, mais les 18-35 ans ne semblent pas sensibles à la musique classique. Soit il y a les enfants, et c'est pour ça qu'on tient à la gratuité pour les moins de 12 ans. Soit il y a des personnes plus âgées. Bah, j'espère que tous les enfants qui assistent au concert aujourd'hui, à 18 ans, continueront à venir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore touché beaucoup cette tranche d'âge. La région met bien en place le pass Cultura à disposition des jeunes adultes. Pourtant, en France, seulement un spectateur de classique sur 6 a moins de 40 ans. Alors le piano, serait-il une musique pour les vieux ? Non, pas du tout. Parce que j'y joue et c'est super. J'adore Rachmaninov. Il a joué du Rachmaninov, je crois. La musique classique souffre parfois d'une image élitiste, voire dépassée. Mais ce festival en plein air tente de la promouvoir au grand public. Pour le principal intéressé, l'artiste, il faut susciter la curiosité des plus jeunes. Je pense que c'est surtout une question de mode, peut-être. D'après mon expérience, toutes les personnes que j'ai emmenées voir un concert de musique classique pour la première fois étaient impressionnées par cette musique. Vous pouvez franchir le pas jusqu'à lundi prochain à Herbalong. Pour un concert, comptez une trentaine d'euros.